Monsieur le ministre des Finances, Excellences, Monsieur le ministre de la Justice, Excellences, Monsieur le ministre de l'Économie, Madame l'Ambassadrice, Monsieur le président du service privé de la police civile, Monsieur le porte-parole de la justice publique, chers collègues, bonjour. Nous sommes réussis ici, nous sommes réunis ici et maintenant dans un grand moment de la coopération entre nous et l'Union européenne. Également, il y en a eu beaucoup avant, il y en aura d'autres. Donc, on est là aujourd'hui, effectivement, pour la signature de deux nouvelles conventions qui montrent la dynamique de cette coopération. Donc, cette petite cérémonie commencera par le discours de Madame la ministre de l'Union européenne, ensuite, un discours du ministre des Finances, du budget et du secteur bancaire. Ensuite, le chef du bureau de l'Union européenne à Comores va présenter le portefeuille de la coopération de l'Union européenne aux Comores. Ensuite, nous passerons à la signature de la première convention avec le ministre de la Justice. Et nous passerons plus tard à la signature de la deuxième convention avec le ministre de l'Économie. Et cette petite cérémonie aura pris fin. Donc, avec votre permission, donc, j'invite Madame la Ambassadrice de l'Union européenne à prendre la parole. Madame, vous avez la parole. Le micro là, le micro. Monsieur le ministre des Finances, Monsieur le ministre de la Justice, Monsieur le ministre des Finances, Monsieur le ministre de la Justice, Monsieur le ministre de l'Économie, Monsieur le directeur général de la fonction publique, chers représentants du gouvernement, chers représentants du secteur privé, de l'Union des chambres de commerce, chers représentants de la société civile, chers collègues de l'équipe Europe et chers partenaires de développement, chers participants en vos grades, rangs et qualités respectifs. Je veux vous dire que c'est un réel plaisir d'être ici parmi vous ce matin pour la signature de deux conventions de financement au titre de notre programme de coopération bilatérale avec les Comores. Et avec ces deux signatures, nous allons finir d'engager la totalité de la première tranche de notre programme bilatéral de coopération avec les Comores. Un programme qui, de 2021 à 2024, s'élève à un peu plus de 41 millions. Et je ne saurais que trop vous féliciter, les uns et les autres, y compris mes collègues du bureau de l'Union européenne aux Comores, dirigé par Pierre. Marie-Ange est là, derrière moi aussi, je veux remercier tous les collègues pour ce succès important. Je vous remercie aussi très sincèrement, Monsieur le ministre des Finances, parce que vous êtes un acteur clé de la coordination de la coopération financière et de la coopération internationale.
pour l'organisation de cette cérémonie qui nous réunit aujourd'hui et qui est un moment fort de notre coopération bilatérale. Je dois dire que toutes nos conventions de financement ont été signées à des moments clés de notre coopération. Je me souviens qu'on a signé, par exemple, fin 2022, à l'occasion du séminaire intergouvernemental, autour de l'adoption du plan de relance du plan Comores émergent. Et puis plus tard, en 2023, à Bruxelles, on a aussi signé une convention de financement à l'occasion, plusieurs même, à l'occasion du Forum Global Gateway, à l'invitation de la présidente de la Commission européenne, Madame von der Leyen. Et donc, aujourd'hui, je suis particulièrement fière d'être à vos côtés et de l'avoir été jusqu'ici, dans le passé. Alors aujourd'hui, nous allons engager deux programmes. D'abord, un programme de 2 millions sur la réforme de la gestion des ressources humaines de la fonction publique et sur la numérisation de cette gestion. Et puis, on a aussi un plus gros programme d'un peu plus de 8 millions d'euros sur l'amélioration du climat des affaires et du commerce. Et ce programme met l'accent en particulier sur les procédures douanières, la justice commerciale, la gestion comptable et la formalisation des entreprises, et plus généralement les services d'appui aux entreprises dans plusieurs domaines, mais notamment par exemple l'amélioration de la qualité, de la mise aux normes. On parlait de la métrologie tout à l'heure avant cette réunion par exemple, c'est très important. Ou encore en ce qui concerne l'accès au financement, notamment pour les petites entreprises. Et puis je veux souligner aussi dans ce programme important les efforts particuliers qui sont faits pour promouvoir l'engagement des femmes entrepreneurs, pour les accompagner. Très important. À travers tous ces appuis, l'Union européenne appuie plus généralement les efforts des Comores sur la voie de l'émergence et donc la réalisation du plan Comores émergent. Et les progrès sur cette voie sont vraiment les gages de la stabilité, de la prospérité en vue d'un développement harmonieux mais aussi inclusif. Et je salue l'engagement des Comores dans un agenda ambitieux qui vise à donner un avenir à la jeunesse, qui est vraiment l'avenir du pays, renforcer les droits humains, parce que sans droits humains, il n'y a pas de développement possible, pour réduire la fragilité climatique et favoriser un développement vert et bleu durable, approfondir l'intégration économique, et en témoignent d'ailleurs les efforts qui ont été réalisés hein, pour l'adhésion à l'OMC, pour l'adhésion à la SLECAF, et puis pour la mise en œuvre de l'accord de partenariat économique avec les pays de la région l'Océan-Indien et l'Union européenne. Et puis évidemment, il reste encore beaucoup à faire, mais des progrès sont faits jour après jour en ce qui concerne l'amélioration de la gouvernance financière du pays, qui est aussi une condition sine qua non d'une croissance économique qui soit aussi porteuse de redistribution au profit de la population et en vue d'un climat des affaires plus attractif pour les investissements, qui soient les investissements de la diaspora, on a un programme, vous savez, sur la diaspora, ou les investissements domestiques ou étrangers. Et donc, c'est sur cette voie que le pays s'est engagé en vue d'un développement harmonieux, en vue de l'émergence des Comores. Et de notre côté, nous restons engagés avec vous pour relever les différents défis, pour pouvoir tirer profit de potentialités de ce pays qui regorge de matières premières. Et nous avons identifié, par exemple, plusieurs filières qui méritent d'être développées parce qu'elles revêtent un potentiel qui est encore sous-exploité. Je pense par exemple à la filière de la pêche sur laquelle nous allons tenir un séminaire bientôt, parce que nous avons fait une analyse de la chaîne de valeur pêche. Donc le 18 juin, nous tiendrons un séminaire sur ce dossier. Mais je pense aussi par exemple au tourisme, donc beaucoup de secteurs économiques encore sous-exploités. Donc voilà, je pense que c'est sur cette note d'espoir et le signe d'un partenariat entre amis que je veux terminer en vous remerciant beaucoup pour votre accueil et pour vos efforts. Merci. Au revoir. Merci.
Monsieur le ministre des Finances. Chers collègues, frères, monsieur le ministre de l'Économie, monsieur le ministre de la Justice, Excellence, Madame l'Ambassadrice, Monsieur le représentant résident de l'Union européenne, Monsieur le président de la Chambre de commerce, chères sœurs et frères du secteur privé, Mesdames et Messieurs les directeurs, Salam alaikum. Merci les représentants de la presse qui ont également voulu prendre part à cette cérémonie importante avec les souvenirs. Je suis très heureux et très content réellement. C'est un réel plaisir d'organiser cette signature. Vous l'avez très bien souligné et fait effectivement à l'historique de la coopération importante entre l'Union européenne et les Comores. L'Union européenne étant parmi les partenaires privilégiés de notre pays, et nous savons très bien, dans beaucoup de domaines, l'Union européenne intervient, accompagne le développement économique et social de notre pays. Ce n'est pas une première signature, ni une deuxième, ni une troisième, c'est carrément la énième signature que nous espérons continuer à aller dans ce sens du renforcement de notre coopération et surtout de l'accompagnement de notre pays dans le développement. Vous avez également rappelé que ces signatures interviennent dans un moment particulier. Et cette fois-ci, un moment particulier parce que le dimanche prochain, nous allons installer Son Excellence le Président Azali Assoumani pour le deuxième mandat de cette législature. C'est un moment important, un moment de stabilité politique, un moment de continuité des efforts qu'il a engagés dans le cadre de notre plan de développement, qui est le plan Comores Émergent. Donc c'est un signal fort que le peuple comorien a voulu, non seulement pour le pays, mais également montrer au monde que nous sommes sur la bonne voie de la stabilité politique, la voie également de la cohérence, la voie également du développement. Premier moment important. Deuxième moment important, vous avez souligné l'importance du commerce international. Le pays vient d'adhérer à l'Organisation mondiale du commerce, c'est encore un signal fort de l'intégration économique que nous souhaitons tous, que nous nous sommes engagés. Il va falloir continuer à évoluer dans ce sens. Il faut que le pays s'intègre, il faut que le pays commerce, et en particulier avec l'Union européenne qui est l'une des partenaires importants dans ce cadre. Un troisième point important, c'est effectivement la présidence de l'Union africaine qui a été également un signal fort à la communauté financière, à la communauté des partenaires pour montrer que le pays a effectivement une maturité importante et qu'elle souhaite participer à la stabilité et à la politique de développement du monde entier. Donc la présidence de l'Union africaine a été également un moment fort, un moment important. Un cadre de développement qui est la zone de libre-échange du continent africain, donc qui rentre dans ce cadre de coopération économique. Donc c'est des moments importants. Au niveau intérieur, nous venons de signer un programme avec le Fonds monétaire et la Banque mondiale, donc tous les partenaires sont également autour pour soutenir cet axe important de développement. Donc le secteur privé est un pilier parce que c'est lui qui soutient la croissance, c'est lui qui soutient effectivement le développement. Je suis très content que ce que nous allons signer, les deux conventions que nous allons signer, aujourd'hui, soutient cet axe important, qui est effectivement l'intégration économique, qui est également un point important pour le soutien, notamment du genre. J'ai pu comprendre qu'il y a un axe spécifique. Donc c'est effectivement un point particulier où la partie commerce international, la partie climat des affaires, qui est aujourd'hui pilotée par mon frère, le ministre de l'Économie, M. Ahmed Bazi, qui est effectivement un connaisseur de ce secteur, qui a beaucoup plus œuvré, notamment pour l'adhésion du pays à l'OMC, mais également la question liée à la zone de libre-échange du continent africain. Donc, nous y croyons, nous allons mettre tant d'énergie réellement pour la réussite de ce programme. Deuxième programme, c'est la partie numérique. Je pense que la numérisation
de l'administration est également un levier important. C'est un secteur qui va toucher beaucoup d'administrations. Il va falloir que nous puissions non seulement côté, je l'avais souligné très récemment, que ce ne soit pas uniquement l'administration, mais aussi le secteur privé. Ce serait mieux que la partie numérique, la numérisation de l'économie, soit aussi un facteur, un vivier important de soutien à la croissance. Donc c'est pour montrer à quel point la réunion de ce matin, les conventions que nous allons signer, rentrent réellement dans le cœur du financement du plan Comore Emergent. Je me rappelle très bien ce qu'on avait signé au mois de décembre 2022. C'est effectivement des voies. C'est aussi une façon d'encourager le secteur privé réellement à continuer à œuvrer pour le développement du pays. Donc c'est dans ce sens où je voudrais encore une fois exprimer au nom du gouvernement notre gratitude, nos sincères remerciements à l'Union européenne pour dire encore une fois c'est une coopération très fructueuse. Nous sommes engagés, nous allons continuer à travailler ensemble pour la stabilité et pour le développement de notre pays et également pour le renforcement de notre coopération. Donc encore une fois, merci beaucoup Madame l'Ambassadrice. Merci bien, Monsieur le représentant, président. Continuons à travailler ensemble. Nous sommes persuadés que nous sommes sur la bonne voie et nous sommes persuadés également que la mise en place du plan commun émergent donnera en 2030 un résultat positif pour le pays, mais également pour la communauté internationale, parce que nous verrons que le pays prendra également de l'envergure et montrera un résultat positif de l'accompagnement. Encore une fois, merci beaucoup pour votre participation à cet événement important. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Bézis. Merci, Monsieur le ministre, Isabelle, chers collègues, chers participants. Donc, très rapidement, un overview de la préparation de l'Union en appui au plan. De financement. Avec ces deux conventions de financement, nous avons engagé la totalité de notre programme du NDIC, 41 millions d'euros, et ça c'est quand même un exploit. Donc on avait signé un facilité de coopération en 2022, c'est notre dernier engagement. L'an dernier à Bruxelles, présence du président Azali, on a signé trois conventions, partenaire bleu, diaspora, jeunes femmes et société civile. Et donc, aujourd'hui, ce matin, on signe les deux dernières, intégration économique et e-administration. Alors, cette enveloppe de 41 millions d'euros, on ajoute 5 millions d'euros en plus, en discussion avec le ministre des Finances, qui sont destinés à garantir des prêts de la BEI pour des projets en appui à la croissance. Donc il y a deux domaines sur lesquels on discute, mais c'est une liste non exhaustive, hein, évidemment, s'il y a des projets en place. Le port, extension du port de Moroni et le numérique. Voilà, on est en 2024 et on va commencer à discuter de l'allocation pour la deuxième tranche du programme 2024-2027 qui permettra une allocation complémentaire. C'est bon? Voilà. Donc le portefeuille de l'Union européenne ici, on soutient le plan commun émergent, comme on l'a rappelé tout à l'heure, et on a vraiment une stratégie qui est claire, qui est cohérente, qui est focus. Notre ambition, c'est de soutenir la croissance et l'emploi à travers le développement du secteur privé, l'entrepreneuriat, la formation professionnelle. C'est vraiment notre cœur de business. Alors, l'économie verte et bleue est un domaine principal d'intervention, on a parlé de la pêche, du développement durable. Ça soutient la croissance, mais la croissance, elle doit être inclusive, permettre des politiques redistributives et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur les questions de gouvernance économique et financière
Et j'ajoute un point aussi, c'est que on mène beaucoup de travail avec le ministre des Finances pour l'élargissement de l'assiette fiscale, qui permettra non seulement d'augmenter les ressources pour financer les politiques publiques, mais aussi de baisser la pression fiscale sur les entreprises qui payent l'impôt, donc voilà, de soutenir le secteur privé, l'économie, la croissance. Et puis, la voix avec un X, des femmes et des jeunes. Oui, les femmes ouvrent toujours la voix, c'est bien connu. Et donc, tout ça, on le fait pas tout seul, on le fait avec les partenaires nationaux, et puis bien sûr avec la France, qui est notre frère, notre cousin, avec qui on développe des synergies complémentaires. Donc le NDKI, on vient d'en parler. Mais en parallèle de l'Indiki, on met en œuvre des programmes précédents qui avaient pris un peu de retard. Vous connaissez tous les programmes PAGEF, Odomoni, API. On travaille aussi beaucoup avec la société civile, le droit humain, et à ce titre, on a inauguré, il y a 2 jours, voilà, l'extension de quartier pour les femmes et les mineurs de la prison de Moroni, pour exemple, parce que les droits humains sont indispensables aussi au développement. En plus de l'enveloppe nationale, on a des programmes régionaux, complète ce qu'on fait au niveau national. Les principaux, c'est CRIMARIO, MAS sur la sécurité maritime, SEGAWANEL sur la santé, ou encore SANOA sur le développement rural. Et puis, l'aide humanitaire, qui est très importante, à travers la Direction Générale d'ECO. On a débloqué cette semaine 500 000 euros pour le choléra, à travers l'UNICEF, et puis en préparation, à travers le Croissant Rouge, une requête pour les inondations. On avait des réunions avec l'UNICEF. En cours, environ 90 millions d'euros, auxquels on a rajouté une deuxième tranche et auxquels peut-être on rajoutera des prêts de la BNIP pour des projets de soutien à la croissance. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Maintenant, nous passons à la deuxième partie de la cérémonie qui est la signature. Monsieur le directeur. On commencera comme on a convenu avec le ministère de la Justice. À jamais ce moment. Messieurs les journalistes. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci beaucoup, honneur de vous présenter. Donc on passe à... Thank you.
On commence au ministère de l'économie pour dire un mot. Après, il va passer la parole au ministère de la justice pour dire un mot à la presse, pour expliquer un peu au comment vient, de quoi il s'agit. Monsieur le ministre de l'économie, vous avez la parole. Salam alaikum, chers collègues, monsieur le ministre de la Justice, chers collègues ministres des Finances, madame la passatrice, monsieur le président de la Chambre de commerce, honorable assistance, salam alaikum. Je pense que l'essentiel a été dit par d'abord notre collègue, le ministre des Finances, madame la passatrice. Nous sommes là aujourd'hui pour acter l'important que nous avons avec ce partenaire privilégié qui est l'Union européenne, qui, par les actes qu'on vient de poser aujourd'hui, s'inscrivent dans une continuité de plusieurs années déjà, ils sont toujours aux côtés des Comores, et vient le confirmer encore aujourd'hui en s'inscrivant dans le plan Comores émergent qui est porté par son Excellence le Président Zali. Et cette date aussi est tout aussi importante puisque nous allons, comme l'a rappelé mon collègue le ministre des Finances tout à l'heure, installer pour un nouveau mandat le président de la République. Je pense que cette date et cet acte vient conforter les Comoriens sur la stabilité retrouvée, la confiance, la crédibilité qu'ont les partenaires pour notre pays, pour son gouvernement, et pour la politique qui est engagée, qui est portée par le chef de l'État. Pour ma part, en tant que ministre de l'économie, en quelques mots rapidement, je me réjouis bien entendu pour cette enveloppe assez importante de 8 millions d'euros, près de 4 milliards de nos francs comoriens, qui vient soutenir l'intégration économique que nous portons, que le gouvernement porte. Nous savons que nous sommes un petit État insulaire, très dépendant des échanges internationaux, aussi bien les importations que les exportations, qui représentent un défi important pour nous. Nous devons augmenter nos exportations et l'Union européenne est là pour nous appuyer, pour nous outiller, notamment nos entreprises, à ce qu'ils relèvent ce défi-là et à ce qu'on puisse porter donc cette croissance. Donc l'Union européenne, par cette convention, va appuyer nos entreprises, va appuyer la croissance, l'emploi, va appuyer l'intervention économique et donc le développement de notre pays, socio-économique de notre pays. Nous sommes là aujourd'hui pour acter cela et nous remercions bien entendu ce partenaire important pour tous ses efforts et pour être toujours à nos côtés sur nos ambitions, nous accompagner, nous réconforter. Mais ce n'est pas que du financement, mais c'est aussi un partenaire qui nous conseille, avec lequel nous partageons nos idées, nos ambitions, et qui nous est, très utile. Merci encore une fois, chers collègues, merci Madame la Bassadine. Kwezi, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Kwezi, wa nama mawazir, Ahmed Namzeboul, Nama Medina Mohamed. Kwezi Bibi Ambassadrice, Balozi, Zalwa, tu Isabelle, chef de bureau, la directeur général, Jim Kobewa, tu président Chamou, secrétaire général,
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا لنا زعمها ماي لغة إيش فرنسا ببلوز إمانة يعني وأنا ما وزيري نسيكم مهم أكو. قبل هذه يالي نوع مهم شينو تامبون إن أوروبية أنا كبير مي أنكم فاهم أنا إفبي نبى كونديان وسوزة جهودي زاسوارا فا نأكل بس إنتيات. شا قبلو كنا ديني بوشلي ببي بيو إمارة دنيا كنا نبغى شغال أبو كاو رانغو وكاتي إمباسادور يوم تدي أجيوفاني لو جوبان وابيير نبي إيزابيل وبشير كنوا أتو من أوروبيني ورجع درجة كاو وكان يوم هيا بيرا شيء وهيلو سامباني يبغى كم إيزابيل كازينو بكو أكو أكو كيا وبشير كنوا أتو داني ورجع درجة هاتو وفزو سيكون داودوا مارد وينا كارما سلام. إدوكتور أبيلي. سنو صو كايا إما بسنا جاو شارن غوي ديالو بوليتيك. ريفانيا ميسو لينكا أكتوبر. أرمازة سектор زون سيبيا. إني أكا هوجي زاي زنا فكازا زمان زينو. أو كايري واجا أول بشر مرحبا يا إسرائيل دولة. ما نوم براي بروكسل فيفري. براي أكتوبر. وتصوغيزا. ومونا نونا نانا شارلو ميشيل. Na Borel, on va donc avoir la cause à Emmanuel, la cause à Valé, ma personne aussi pire. Et nous, tout à l'heure, donc, elle a demandé nous qu'elle est fumée de gens. Nous, ce que nous, quoi. Le monde doit être ici, on est là. La nation locale, on a rien. Ou alors, les arbres, quand on a dit, 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 ka ye hamu ya hena iso daula luka haina mkomoro mahalali yo lekenge honze, lekenge undani shaya shihanafasi na uro harma amade zoro kwa muhimu kwa wala mwuri zibalagisho mahalali yosipia kaya yeye mbrabo kanga mfanyo gulio shakeri mfanyo nuna deze kweli kaya izo deze kweli hika wali tabjamu soro nuna ya rizo nao mngeti sina ukamile tso nzuka kwa shoro barahaba mzazi Une petite minute en français, je suis professeur de français quand même, et dire que depuis octobre, le dernier dialogue politique, Isabelle, Pierre, que nous avons eu avec l'Union européenne. À nos jours, il y a eu un oxygène énorme, un élan gigantesque entre l'Union européenne et l'île de Comores. Et ceci est dû à quoi? Et ceci est dû à l'impulsion diplomatique donnée par le chef de l'État lors de son passage à Bruxelles en octobre et en février dernier, avant d'aller, n'est-ce pas, être investi à l'Union européenne. Ce challenge a conduit à ces signatures. Et ça, c'est un pas de géant, un pas très considérable que nous ne pouvons pas oublier. Et le deuxième mot, pour terminer, on ne peut que te rendre, ensuite toi Isabelle, que te rendre hommage à Pierre, à son équipe, puisque à partir de l'arrivée de Giovanni et vous, les relations entre l'Union et Comores, l'Union de l'Union européenne et l'Union de Comores, a pris une autre couleur d'attal que nous ne pouvons que souligner. Et espérer qu'il va, n'est-ce pas, encore progresser davantage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes au terme donc, de notre petite cérémonie. Le ministre des Finances invite ses collègues à partager un verre. Fatha. اللهم يا با سيتولين المعطية ويا صاحب المواهب السنية ويا دافع البلاء والبلية ويا دافع البلاء والبلية صلي على محمد الخير السنية قرف لنا يا ضماء في هذه الساعة وفي هذه اليوم وفي هذه الشعر يا رب العالمين فوق سبحانه ربك العالمين والسلام